Pour mesurer un essieu, on commence par le perçage. On prend l'exemple d'un essieu avec un perçage de 100 par 4. On mesure donc l'entraxe des goujons et on constate de trou à trou qu'on a 10 cm. Donc pour cet essieu, le perçage est bien de 100 par 4. Ensuite, on s'intéresse à la voie EAB. Donc de platine de fixation à platine de fixation, on mesure de gauche à droite, ou bien vous prenez les longerons du châssis de votre remorque. Et par exemple pour cet essieu, on constate une voie EAB de 1350 mm. Ensuite, la voie qui en découle, on la prend donc extérieur moyeu. Donc l'exemple pour cet essieu, on est à une voie C de 1,78 m. Enfin, les platines de fixation ont deux trous qui sont espacés de 16 cm. La largeur des trous est de 2 cm, ce qui laisse un peu de jeu sur votre châssis au cas où votre voie EAB ne serait pas tout à fait égale à celle proposée par les essieux standards.